Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique Charlemagne. Vous savez très bien que je ne pouvais pas rater Charlemagne. Je ne pouvais pas te rater Charlemagne quand même. Maintenant où tu vis au nord là-bas et tout. Ah, hier, je t'ai vu à la télé, Charlemagne, regarde-toi, tu étais beau. Hein, les enfants, qu'il était beau, Charlemagne, me sanganya, me dit. Non, non, t'étais beau, je me suis dit, putain, mais le Nord. Ça va. Tu te plains pas, tu es un guerrier. Je sais, t'es un guerrier, le Nord pouvait pas te briser. Mais hier, je t'ai vu à la télé, mais tu as versé, hein? Tu as versé hier. Yeah. Tu l'as balancé. Et Jean-Robert Wafo, l'autre était là. Il disait allume, 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 allume. Et toi, tu étais. Coup d'état scientifique. Oh. Hein? Si tu dis que Paul Biya est mort, est-ce qu'ils vont te tuer, Charlemagne? Dis-moi. Si tu dis avec ta bouche que Paul Biya est mort, est-ce qu'ils vont te tuer? Tu dis que ton transfert à Maroua est un putsch. Moi, je t'ai dit que non. Ce n'est pas ton transfert à Maroua qui est un putsch. Ton transfert à Maroua est une conséquence du putsch. Parce que si jamais ton maître politique, hein, s'il était vivant, tu sais que tu ne serais pas à Maroua, non. Donc, ce sont les conséquences du putsch. C'est comme le glissement de la canne, conséquence du putsch. Tu vois, c'est comme le vol de l'argent du Covid, conséquence du putsch. Hein? La guerre interminable dans le nord-ouest et le sud, conséquence du putsch. Charlemagne, mais jusqu'à j'ai entendu que tu vas démissionner. Fais attention avec ce qui sort de ta bouche. Je t'ai trouvé très imprudent. Et tu sais que dans les affaires de politique, là, faut être très prudent. Hier, je t'ai trouvé imprudent. Je t'ai trouvé imprudent. Imprudent. Et Jean-Robert Wafou était derrière. Allume-les, allume-les, allume-les. Et toi, tu étais là, tu allumais, tu allumais, tu allumais. Maintenant, on est au courant de ça. Et à la fin, tu as fait tout ton même petit glissement. Moi, j'aime Paul Biya, j'aime l'ORDPC, j'aime Paul Biya, j'aime Paul Biya. Mais comment toi, tu vas aimer Paul Biya sans aimer Franck Biya? Tu aimes le père, mais tu n'aimes pas le fils. Tu es un franquiste. C'est quoi la différence entre les franquistes et les biyaïstes? Ils sont concurrents, ils sont associés. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a des fabrications qui vont se créer et les sociétés civiles et... Hein? C'est ça, non? Comment tu fais? Comment tu fais ça? Tu fais ça comment? C'est-à-dire, tu dis que Franck Biya n'est pas... Enfin, je sais même pas. Hein? Donc, tu essaies de me dire. Bon, admettons que Franck Biya dit maintenant, comme il est fou là, que non, il est candidat, tu vas le soutenir ou bien tu ne vas pas le soutenir. Réponds. Si Franck Biya est candidat maintenant, me sanganyam ding, tu vas le soutenir ou tu ne vas pas le soutenir. Ok, t'es vu, tu as commencé à danser. J'aime Paul Biya et tout. Ah, excuse-moi une seconde. Excuse-moi une seconde, tu es dans ma clinique. Oui, Nathalie. Ça va? Non, j'ai rien fait de mal. Ah, regarde-le, il est calme. Il n'est pas menacé, rien. Non, non, je ne menace plus personne. Ça va. Ciao. Frère,
Ils vont te mettre en prison. Hier, je t'ai trouvé très imprudent. Mais moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a plu. Si tu démissionnes, ça va encore me plaire toujours. Tu vois. Mais ce que je veux, c'est que tu aies le courage d'être cohérent jusqu'au bout. Le président est mort. C'est ça qui est le vrai putsch. Et c'est ça qui est la vérité, les enfants. C'était papa.